sabroso. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que te cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Tu ne penses pas que ce sera joli sur notre petit? Ah, s'il te plaît. Tu tricotes une écharpe pour Javier? Ah, Esther, ma chérie, il ne va jamais la porter, tu perds ton temps. Réponds. Ma chérie, tu sais... Non, mais depuis quand tu trouves des excuses à tout, toi? Allô? Allô? Bonjour, Macarena González, s'il vous plaît? Qui la demande? J'appelle de la part d'un ami. Non, elle est au travail. Ah! Elle est au travail? Oui, à la clinique. À la clinique de santé Pulido. Ah, eh bien merci, dans ce cas je l'appellerai plus tard. Non, 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 il n'y a plus de patient, Doc. Ah, eh bien d'accord, j'arrive tout de suite. Aïe. Oh. Je vous écoute, Doc. J'ai la liste d'antécédents médicaux d'un patient que je n'ai pas vu. Ah oui. En fait, c'est que l'attente était longue. Et elle a dû partir parce qu'elle était pressée. De plus, vous avez pris tellement de temps avec Monsieur Giraldo. Tu l'as laissé partir? Oui. Mais tout n'est pas perdu. Ne vous inquiétez pas parce que je lui ai dit que vous la verriez plus tard. Ah bon? Et à quelle heure? Je ne sais pas. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous finirez. Je ne comprends pas, Macarena. Voyons, docteur. C'est pourtant très simple. Je lui ai simplement dit que vous iriez chez elle pour la voir. Quoi? Ben oui. Vous m'avez bien dit de faire ce que j'avais à faire, non? Allez, docteur, vous savez, les soins à domicile ne sont pas aussi horribles que ça. Écoutez, c'est la première et dernière fois, Macarena. Je vous verrai dans une demi-heure sur le parking. Moi? Oui. C'est tout? Non? Dans une demi-heure. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes un patient du docteur Alejandro? Non. Vous êtes Macarena González? Oui. Ah, bonjour, ravie de vous rencontrer. Luz Elvira. Ça me gêne de venir sur votre lieu de travail, mais il faut que je vous parle. C'est vraiment important. J'ai pas compris. Je suis désolée. Est-ce qu'on se connaît? Non, non, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment? Oui. Ce sont mes anciens collègues qui vous ont parlé de moi? Non, non, non. Pas vraiment. C'est Petit Poney. Tu as vraiment envoyé paître Luz Elvira? Eh bien oui. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? Elle doit être en colère contre moi aussi, parce que c'est bizarre qu'elle ne m'ait pas appelée. Eh bien oui, c'est étrange ça. Oui, et tu n'as pas peur qu'elle essaie de se venger de toi? Ah, je ne m'inquiète pas pour ça. Je connais très bien Luz Elvira, il est toujours amoureuse de moi, Petit Poney. Alors elle ne ferait rien. Pour elle, c'est moi et personne d'autre, pour le meilleur et pour c'est le bon, pire. C'est bon, pas la peine de me le dire, ah, toi aussi, tu sais comment c'est. D'ailleurs, je la connais bien. Elle garde encore espoir qu'on se remette ensemble et que veut qu'on réessaye. Alors, elle n'osera rien faire contre moi, j'en suis sûr. Venez, asseyez-vous, d'accord? Détendez-vous, vous voulez un verre d'eau, peut-être? Non, non, non. Une infusion? Non, ça va aller. Merci. Je suis désolée de débarquer ici et de faire une scène. Eh bien, la vérité, c'est quand on est seul, on se permet tout parfois. Mais quand on est deux, c'est vraiment très différent, en fait. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Ce qui se passe, c'est que... Écoutez. Je suis enceinte.
Un moment, écoutez, madame. Non, c'est mademoiselle, même si je suis enceinte. Enfin, je veux dire mademoiselle... Eh bien, mademoiselle Luzelvira, c'est ça? Écoutez, je ne comprends pas. Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous êtes liée à mon petit poney. Eh bien, en fait, il se trouve que votre petit poney... Et le... C'est mon cousin. Oui. Donc tu veux revenir travailler ici? Non, dire que je veux retourner au travail, ce n'est pas exactement ça. J'y suis obligé parce que Macarena a dépensé chaque centime et ne veut pas faire la demande pour un autre prêt. Alors quelqu'un doit bien subvenir à ses besoins. Pourquoi ça te fait rire? Non, non, je me disais seulement que Dieu ne punit ni à coup de bâton ni à coup de fouet. C'est marrant, Darcy, c'est marrant. Mais ce n'était oui. pas une blague. Tu ferais mieux de remercier le bon Dieu pour sa bienveillance. Parce que la punition pour t'être mariée par intérêt aurait pu être pire, mon garçon. Alors dis-moi, c'est comment de vivre dans le péché, hein? Eh bien, quand on se rend compte qu'on va finir sa triste vie seule et sans espoir et sans personne dans la vie, eh bien, c'est beaucoup plus difficile, vous comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans l'entreprise où je travaillais, quand ils ont su que j'étais enceinte, ils m'ont expulsée comme un chien. Et le père de l'enfant? Oh, lui ne m'en parlait même pas. Non? Non, le père ne m'en parlait même plus. Il m'a bernée et quand il a su que j'étais enceinte, il n'a pas voulu assumer, il est parti. C'était la pire expérience de toute ma vie. Oh non, je suis vraiment navrée. Je vais vous apporter une infusion. Non. C'est juste que parfois, on a besoin de parler à quelqu'un et se défouler, non? Oui, je sais. Et donc voilà, je voulais vous parler un peu de mes problèmes et tout. Bien que je sais que je ne devrais pas, mais... La vérité, c'est que... J'avais besoin de quelqu'un pour me remonter. Le moral, pour me donner l'envie de survivre. Je veux dire, un coup de main. Si je ne trouve personne pour m'aider... Je crois que je vais mourir. Non, 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 vous n'allez pas mourir, ne dites pas ça. Écoutez, il y a toujours une issue. Arrêtez de pleurer. Mais comment je suis censée m'en sortir? J'ai été expulsée de l'appartement que je louais. Ils m'ont jetée à la rue comme un chien quand ils ont su que je n'avais plus de travail. Non, Marcy. Mais franchement, cette femme n'a aucune honte. Tu vois, son premier jour de travail, elle arrive et elle se gare sur ma place de parking. Et qui plus est, je la trouve endormie à son bureau. Tu peux le croire, ça? J'ai dit à Alejandro que cette femme allait nous créer des problèmes, mais il se prend pour le rédempteur des pauvres et n'écoute pas. Mais tu vas voir que j'avais raison, Marcy. Quand cette femme se rendra compte du rythme de travail imposé par Alejo, elle le détestera toute sa vie. Marcy, tu écoutes tout ce que je te dis? Marcy? Oui, oui, Camille, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, qu'elle n'avait pas honte que... Macarena, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, est une carriériste, une arriviste, une insolente. Il est évident que nous devons faire très attention à ce genre de femme. Nous devons être très prudents. Ah, exactement. Mais d'autre part, je ne suis pas inquiète parce que je sais qu'Alejandro se sert d'elle. Il est tellement amoureux. Tiens, ce matin, je suis arrivée à mon bureau et j'y ai trouvé un énorme bouquet de fleurs. Adorable. Génial, non? Non? Bon, allez, pourquoi ne pas plutôt me dire ce que je peux faire pour vous aider? Non. Oui. Vous savez quoi? Oubliez ça. Oubliez que je suis venue vous voir, d'accord? Non, 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 Luzelvira. Écoutez, la famille de Petit Poney est aussi ma famille. Alors, si vous avez besoin d'aide, nous allons vous l'apporter. Compris? Vraiment? Oui, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi Petit Poney ne m'a jamais parlé de vous, de votre problème. Ah! Eh bien, à vrai dire, c'est que j'étais à l'étranger. Vous voyez? Oui, je n'étais pas au pays et Petit Poney et moi n'étaient pas vraiment en contact. Et puis, il trouvait que le moment était mal choisi pour vous demander un service pareil. Oh, mon petit poney. Mon petit poney s'inquiète toujours pour moi. Et pour les autres. Oh. Ah oui. Il est comme ça, mon petit poney. Oui, votre poney? Oui, votre mon poney. Petit poney. Enfin, mon cousin? Oui. Il n'était pas à l'aise pour vous demander si vous accepteriez de m'héberger quelques jours le temps que je m'organise et que je trouve du travail. Ah. Voilà pourquoi il ne vous a rien dit. Vous êtes prête, Macarena? Allons-y. Allez-y, c'est bon. Non, 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 non. Oubliez que je vous ai parlé de tout, non, non, de tout non, ça. Non, 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 non. Nous allons trouver quelque chose. Je dois accompagner le docteur. Il a une visite médicale à faire. Mais quand je reviendrai, on s'organisera, si ça vous dit. Organiser quoi? Pour que je vous héberge. Vraiment? Oui. Vous en êtes sûre? Oui. Oh, Macarena, vous êtes un ange.
Non, Macarena, vous êtes vraiment une sainte. Oh, vous êtes si adorable. Bien. Allez. Oui. Marcy, c'est quoi ton problème? Rien. Menteuse. D'accord, c'est bon, Camille. Je voudrais bien te dire qu'il n'y a rien, mais j'ai comme un... sentiment de malaise. C'est Pedro? Je crois qu'il est en train de me mentir. Je crois qu'il me ment. C'est bien, très bien. Je pense que ça a quelque chose encore à une fois faire à la clinique. Et je te jure que je vais le découvrir. Encore une fois? Je vais le découvrir. Elle va bien. Très bien. Tu vas bien, ma belle. Tu étais géniale. Je vais la faire faire des tests pour écarter tout risque d'infection, mais je pense que tout va bien. Bien, docteur. Tu es jolie, petite princesse. Excusez-moi une seconde. Bonjour. Il était temps, non? Comment tu vas, mon beau? Comment je vais? Je suis très inquiet. Pourquoi est-ce que tu as disparu comme ça? Tu es où? Je suis en vacances avec un ami, tu vois? Vous m'excusez une seconde? Je vais envoyer le dossier de l'enfant pour les examens. Bien sûr, docteur, merci. À plus tard, ma princesse, merci. Avant d'aller chez le patient, on s'arrête à mon appartement. Je dois récupérer des documents importants, d'accord? Oui, oui, bien sûr, docteur. Et c'est qui, cette femme? C'est la cousine de Petit Poney, qui apparemment va venir vivre chez nous. Après vous. Ah, merci. Tu me dis ça comme ça aussi calmement? Comment ça, un ami? Quel genre d'ami? Avec un ami, c'est tout. Je ne savais pas que je devais te tenir informé de tous mes faits et gestes. Et je croyais que vous aviez votre vie. Et moi la mienne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois t'occuper de tes filles et de ta femme et je ne sais quoi d'autre. À toi de me dire, j'ai autre chose à faire de ma vie, enfin. Ce n'est pas la même chose. Oh non, ce n'est pas la même chose. Dis-moi, quelle est la différence? Tu es avec ta famille, non? Je suis avec mes amis et je passe de super moments. Tu n'as même pas idée et le paysage est magnifique. Je pense que je t'enverrai des photos. Quelles photos? Je ne veux pas de photos! Non? Eh bien, alors qu'est-ce que tu veux, Pedro? Pedro, tu m'entends? Oui, 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 bien sûr que je t'écoute. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Que nous soyons exclusifs? Eh bien oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je veux. Alors c'est parfait, parce que je veux la même chose. Je veux que tu quittes ta femme, Pedro. Tati, je ne crois pas qu'on devrait parler de ça au téléphone. On pourrait en discuter plus tard. Oui, tu as raison. Voilà ce qu'on va faire. Je te donne toute la nuit pour que tu puisses réfléchir. Et tu me donnes une réponse demain à mon retour à Bogota. Eh bien, Madame Teresa a 40 ans, a 2 enfants et est divorcée depuis 8 ans. Et jusque tout récemment, elle travaillait comme rédactrice en chef. Docteur! Oh, docteur, votre maison ressemble à ces maisons qu'on voit dans les magazines de déco. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Vous vous êtes déjà assis sur cette chaise? Bon, Macarena, je vais chercher du papier et vous continuez à me parler. D'accord. Eh bien... Madame Teresa a commencé à avoir des courbatures juste après avoir eu une forte fièvre. Et tout a commencé avec un genre de mal dedans. Macarena, je ne peux pas vous entendre. Donnez-moi un instant. Si vous voulez quelque chose à boire, allez-y, servez-vous. Madame Marcella, vous m'avez fait appeler? Oui, et Linda Rosa, j'aurais besoin d'une infirmière pour m'aider avec un accouchement très difficile et je pensais à cette jolie infirmière et... aux yeux bleus, celle qui est grande, élancée et mince. Mais attends, attends. Ah, tiens, qui est très jolie. Donne-moi ta main. Bien sûr, docteur, ça fait pour un pas mois que tu oublies à nouveau, d'accord? Elle remplace Lorena. C'est quoi ça? Montre-moi. Montre-moi. Et quel est son nom? Eh bien, super, non, merci. Martha. Et qu'est-ce que vous savez à propos d'elle? Ah, eh bien, en fait, docteur, il y a plusieurs versions. Certains disent qu'elle a travaillé à la clinique de l'Est et a également étudié à l'école de formation supérieure en soins infirmiers. Mm-hmm. Ah, d'accord, c'est bon, elle fera l'affaire.
Vous voulez que je l'appelle ? Non, parce que Linda Rosa, je dois programmer la césarienne. De plus, j'ai aussi besoin de connaître quand ma patiente sera disponible. Et bien sûr, de combien de temps elle dispose. Je veux dire, est-ce qu'elle est mariée ou célibataire ? C'est juste pour savoir. Vous savez, le soir, c'est toujours la course ici, à la clinique. D'accord, et bien la vérité, docteur, c'est que... Je ne voudrais vraiment pas que ça impacte sur le travail de Martha, mais... La vérité, docteur, c'est que Martha... Elle s'est récemment mariée. Ah. Oui. Et c'est donc pour ça que le travail de nuit ne lui conviendrait pas, car elle est super amoureuse de son mari. Et bien sûr, je suppose qu'elle voudrait partir tôt pour rentrer voir son mari. Entre nous, Marcella, elle est un peu paresseuse, si je peux me permettre. Parfois, elle arrive à la clinique très tard et elle s'en va très tôt. Très bien, Linda Rosa. Ça ira, merci. Et s'il vous plaît, fermez la porte derrière vous. Oui, docteur. C'était un plaisir. Excusez-moi. Écoute, Darcy, la seule chose que je sais, c'est que c'est difficile de vivre avec une femme. Ah, excuse-moi. Allô, ma reine, comment ça va? Comment ça se passe? Bien, mais dis-moi quelque chose, mon petit bonnet. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais une... Ma reine, je suis à la banque et ici, je n'ai pas le droit de parler. On se parle plus tard. C'est bon, Macarena, j'ai les papiers. Dites-moi, docteur. Juste une question. Je sais que vous ne dormez pas, mais vous ne mangez pas non plus. Je ne comprends vraiment pas comment vous n'êtes pas encore mort. Eh bien, je ne fais pas les courses. Vous avez vraiment faim? Oui, un peu. Mais ça pourrait être à cause de l'hypoglycémie. Vous savez, parce que je dois manger toutes les 3 heures. Et le froid aussi y contribue énormément. Non, ce serait plutôt la thyroïde, je crois. Hypoglycémie, vous avez dit? Oui, c'est ça. Je ne vous l'ai pas dit. Non? Ah oui, oui. Eh bien, tenez. Voici quelque chose à grignoter. Et réglez votre hypoglycémie. Oui, je vous inviterai à manger quelque chose de nutritif et sans sucre. Ça me semble parfait. En parlant d'hypoglycémie, alors Madame Teresa souffre également d'hypoglycémie. En fait, son grand-père était diabétique. Ah oui, et comment vous le savez? Grâce à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle méthode. Très créative. Que j'ai mis en œuvre, oui. C'est pour en savoir plus sur les patients. Statut matrimonial. Signe du zodiaque. Oui. Croyance religieuse? Et s'il croit en Dieu? Oui. Comment ça? Vous ne savez pas, docteur, qu'une personne qui croit en l'existence d'un être supérieur est très différente d'une personne qui ne croit en rien, hein? En fait, des personnes spirituelles, les religieux, sont beaucoup plus susceptibles de progresser. Ne me dites pas. Non, vraiment? Quel genre de personne êtes-vous? Selon vous. Estoy viendo borroso, estoy con...